Ceci vous concerne, Brazzavillois et Brazzavillois, Congolais et Congolais. Voulez-vous habiller chicement? Contactez boutique Sergio A, espace élégance. Asma Avenue Longtieme, Ribanza Wende, na Brazzaville le numéro 197. Pour tout contact, composez 00-242-050-32-64-11. 00-242-050-32-64-11. Boyei malamwe! Mesdames, Messieurs, balandé tout, il y a Kokotamba Télévision, n'est-ce pas, Tolobara. Mbote Nabino Basso, merci, n'a Patricia Moujanaï, parce que, aux arrêts de cœur, Nabisso, merci également, n'a repris de 4, Moniga Yanfumu, n'a Kata Panama. Merci, si vous voulez vous habiller chicement, n'a Lobara Boke, n'a Brazzaville Kuna, n'a Sergio A, classe élégance, balbi, Sergio A, boutique élégance, Kuna, n'a Brazzaville, Kuna, t'as dit, toc, sur le niveau là, t'as osé le rôle à Jimmy Boyembe, osé le rôle à ministre Brazzaville. Aux alors ministre congolais Awa Kinoa, habillez-vous na adresse mais pour la Wenze et pas ya c'est du A pour la boutique élégance. Voilà, merci beaucoup. Awa Tozali na palais du peuple escape et rendre dernier hommage na le député national élu ya Mbandaka pour la province Équateur Henri Thomas Lokondo et à Coupe en Afrique du Sud na mercredi le 11. C'est-à-dire mercredi 10 mars 2021, Corneille qui jeudi le 18 en Kinshasa, le lot est allé Kobima, mais Roya Awana n'a parlé du peuple parce que est allé fief, est allé siège de l'institution, et sera wapi, il y a Abadari Kosala Moussala Naye en tant que député national, parce qu'il y a un rôle national. Alors, maintenant, il est allé dans deux phases. La première phase est allé le lot, par officiel congolais, par rendre hommage à la parole du peuple. Lobby et Kobima, le leur Zonga, na Morgo, et puis lobby et Koya, na Notre-Dame du Congo, à la Kinshasa, basse une messe d'action de grâce, et après messe, voilà, Corneille de la cheminée directement vers l'aéroport international d'Angili, pour na Ekende, na village natal, Nekuna, na Mbandaka, pour essayer de inhumer vraiment, ba Zong Siekuna, na Yango, ba famille belle, à ba ko compatir, na Ndeko, Henri Thomas le Congo de femme, pour moni, ba officier belle, ba si, ba yé déjà, ba Maman Wivine Moleka, ba Denis Kambayi, ba président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, premier vice-président Jean-Marc Kaboun, puis Azaliwana, ba Ndeko Ebele, ba officier, et ba député nationaux, puis ba sénateur, ba za pour rendre dernier hommage na Oya Bango, Henri Thomas Lokondo, Bolanda, Nengni Neko Leka. Merci na Koko Tamba Yemoko, na Maman Priska, Maman Likilimba, merci beaucoup. Alors, Bolanda, Nengni Neko Leka, obsèque d'ailleurs, ba pour rendre hommage et puis to kutani na suka poko to yev sabino nini eleki bola nango. Ah, on va faire un peu de temps. On va faire un peu de temps.
Papa, bonjour Massima. Papa, bonjour Massima. Bande de l'enceinte de l'Assemblée nationale
de cette commission ô bien précieuse au débat sur les matières législatives et les chers camarades et amis radicaux. Nous voici tous ces camarades et amis et alliés, tous devant ta République pour exprimer notre profonde affliction face à ta mort et pour te rendre un dernier hommage sur le siège du recouvrement au combattant. Voilà tout ce temps, on a découvert en toi un homme vrai, courageux, franc, empathique avec les autres, républicains et patriotes. Tout particulièrement avec la constitution de notre regroupement politique, tu as dévoilé ta maturité politique. Tu as démontré que tu avais déjà dépassé l'âge de la complaisance. Profondément humain, tu fonctionnais toutefois selon des principes rigoureux. Ton départ dans l'au-delà, inopiné et précoce pour nous, arrive au moment où nous commencions à peaufiner nos plans pour l'avenir passé du Parlement. Tu nous avais appelé pour nous annoncer ton souhait de te lancer dans la bataille du bureau. Nous t'avions exprimé nos emplois, l'espoir de te revoir de retour en force pour finaliser nos projets. Malheureusement, fort malheureusement, c'est défunt que tu nous retiens. Dieu Tout-Puissant qui t'a envoyé sur cette terre pour ta famille, tes parents, nous tes amis et toute la population congolaise, t'a rappelé à lui. Que pouvons-nous dire d'autre que le glorifier tout en l'implorant de bien vouloir t'accueillir dans son royaume céleste? Qu'il puisse pleurer, spécialement ton épouse à tes enfants, le courage de supporter cette dure épreuve qui s'abat sur eux avec ton départ. Nous les présenterons à tous, excusez-moi, nos plus sincères condoléances. Adieu, chers amis et camarades de Manitoba, repose en paix, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Merci. Président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chers membres de la famille éprouvée, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, mesdames et messieurs, dans quelques instants, il va être procédé à la cérémonie de décoration à titre posthume du feu honorable Henri Thomas Lokono Yoka. À cet effet, les protocoles, c'est fait le devoir de vous présenter le programme de cette cérémonie qui va se dérouler de la manière ci-après. 1. Entrée comme grand honneur. 2. Lecture de l'ordonnance loi. 3. La déclaration des paroles sacramentaires. Et 4. La décoration complémentaire. Sans plus tarder, le protocole invite le conseiller administratif chancelier pour la lecture de l'ordonnance. Thank you.
les chanceliers des autres nations virent la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement à son article 84. Être modifié et complété à ces jours par le décret loi numéro 012/2003 du 30 mars 2003, la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement alinéa premier, vu le décret numéro 051/2003 du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement son article 7, alinéa 1, 2 et 5, vu l'ordonnance numéro 20/077 du 17 juillet 2020 portant nomination d'un chancelier des ordres nationaux, vu le dossier tel qu'inscrit par le service compétent de la chancellerie des ordres nationaux, suite à la demande formulée par l'honorable président de l'Assemblée nationale, vu la proposition faite à cette par le secrétaire, le mérite de l'intéressé, rémarqué à travers ses loyaux et éminents services, rendus à la nation à divers titres, mais pris notoirement à sa qualité de parlementaire, soucié des récompenses, à titre qui a servi exceptionnellement de manière acharnée le peuple congolais, dont il avait toujours pu le renseigner des ordres nationaux, vu la nécessité et l'urgence. Décidé, article 1er, la médaille d'or du mérite civique est décernée à titre posthume à M. Henri Thomas Lokoto Yoka, sénateur honoraire et député national. Grand chancelier, président du loyal service rendu
bonjour papa Po. Bonjour. Certainement, Oyebaki, papa Henri Thomas Lokondo, Nini Tokoko gardait des souvenirs de son vivant. Oui, c'est un vieux à moi, je dois le dire. Henri Thomas Lokondo, c'est un vieux à moi. C'est quelqu'un qu'à un moment donné, j'ai pris comme modèle. Il n'est pas comme Paveri des journalistes et des hommes politiques qu'on observe aujourd'hui, qui ne comprennent pas que l'éthique et les valeurs doivent être protégées. Henri Thomas Lokondo a défendu la République sur toutes ses facettes. Henri Thomas Lokondo a parlé du Congo. Il n'a pas parlé des hommes. Il n'a pas parlé d'un homme. Il a parlé du Congo. Il est dans un camp, mais lorsqu'il constate que les camps avancent des arguments qui n'honorent pas la République, il est à la défensive. Donc, nous avons perdu une valeur, nous avons perdu un défenseur de la démocratie, un défenseur du peuple, un défenseur de l'intérêt général de la République. Nous l'avions réellement perdu. Donc cet homme, en tant que journaliste, j'ai eu à faire des interviews avec lui, j'ai eu à l'aborder pour certaines questions, même brûlantes, trop abordables, accueillantes, hospitalières, sociales, mais on n'a pas des hommes politiques comme celui-là. Il n'est pas dans le lot de ces aventuriers politiques qui volent l'argent de l'État, ces aventuriers politiques qui croient être supérieurs aux lois de la République. Il n'était pas facile à être manipulé. Hein. Non, non, il n'était pas facile. Comment manipuler un tel homme dont la carbure intellectuelle est éprouvée par ses dires, par ses défenses? Henri Thomas, c'est une valeur. Donc moi je pense que la classe actuelle, la classe politique actuelle, peut imiter sans honte Henri Thomas. Il sait dire non. Il n'est pas manipulable. Il n'est pas comme ces politiciens qui suivent l'argent, la corruption, avec des Français approximatifs, des voleurs, des détournés de deniers publics. Les gens qui défendent un individu, non. Henri Thomas, quel que soit le camp, il parlait de vérité. Donc on a perdu un père qui pouvait servir de repère à la jeunesse congolaise. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez nous permettre même. Bonjour, Excellence. Bonjour, Excellence. Non, ça suffit. Qui papa Henri Thomas Lokondo, Nini Tokoko retenu de son vivant. Ah, il y a beaucoup à retenir. D'abord, la première chose, c'est l'amour de Patrick. Il a beaucoup aimé le Congo. Il a beaucoup aimé son travail. Et puis, il a aimé le peuple congolais dans son travail. Donc, il a eu à s'exprimer à travers son travail pour dire quoi il aimait le Congo et son peuple. C'est la grande vie. Donc, Nagolo Babo et Henri Thomas Lokondo, Azali, moi, Namboko, Alinga qui m'boka na Mingi, Alinga qui, non seulement électeur, mais peuple congolais, Alinga qui m'a Mingi, à travers Moussala Naye, Ami Pessi, pour servir vraiment la nation congolaise. Et Lelo, la plupart, il y a, Loua Tozan, on a Katia Mboka, il a eu à contribuer pas mal de fois. Donc, les gens, Loua, ceux qui n'ont pas tant, ils ont mon Maloba Naye, nous avons écrit Naye Nakati, donc vraiment à Saliming pour le Congo. Et il faut garder une pensée pièce à sa mémoire parce que tant que nous sommes dans le Parlement, à Zabakulu, à Yambaki, nous sommes à bras ouverts et nous travaillons en collaboration et nous sommes à Ming, à Pembeni Naye. Donc, celui qui nous a fait au Zali, nous sommes en tant que grand frère, en tant que collègue à Moussala, nous sommes collés là. Je me particulier dans la classe politique Oyo Bako Landabi Solelo Oyo pour Tal Sandenge Papa Thomas Akei. On a aussi dans la classe politique na bande ko yo bazana ba bichu a kozala ba. Henri Thomas Lokondo comme étant référence. C'est un modèle donc de parlementaire donc bazoye comme référence et kozala sengomingi pour l'intérêt école.
Merci. Si à l'équitable, ça va rester. Et tant d'autres engagements qu'il a pris, ça va rester. Que pensez-vous maintenant de la méthode que le gouvernement peut utiliser pour commémorer ou baptiser une salle ou un endroit? C'est au gouvernement à envisager ça. C'est son boulot, c'est pas le mien. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et moi, l'endroit de la famille, qui est pleuré. Nous sommes le cœur avec eux, c'est la même famille que la mienne. Merci beaucoup, Laura. Bonjour honorable. Bonjour Nego. Certainement au Yebaki, Papa Henri, Lokondo, ni Toko garder de son vivant. Ouh, Henri Thomas Lokondo, honorable, c'était une grande personnalité. C'est quelqu'un qui nous a fait rêver tant que Zalagi Libanda est politique. Il y a posa, Yagosa Lokolaye. Au moins dans le cadre de football, Bazalaba Messi, Ronaldo. Je pense qu'à un niveau à Parlement congolais, Messi n'a plus Zalagi Henri Thomas Lokondo. A Zalagi est capable de reloba oui. Tant que famille politique n'a pas lobby, non. À ça, papa, non, tant que famille politique n'a pas lobby, oui. Il n'était pas facile à être corrompu. Hein. Non, mais tout à fait. C'était quelqu'un qui avait une liberté d'esprit énorme. En tout cas, Bissot Bato, Totsigali, parlementaire, députés nationaux, Torosala est fort. Tozala, le Kolaye. En tout cas, Henri Thomas Lokondo, c'était un modèle. C'était un modèle parlementaire. Non, c'était un modèle parlementaire. C'était un grand sénateur. C'est aujourd'hui un grand député national, malheureusement, qui part. Nalobani Ndegolangaï. Paix à son âme. Zambé a décidé. Azamoli Bonae, Ape Marana Kimia. Mais il faut que vous ayez le rôle à modèle. C'était un modèle, cher ami. Imaginez les lois que peut perdre ABC à l'objet oui, il y a l'objet non. Et puis à l'équilibre, il y a l'Assemblée nationale à l'objet. Qui peut le faire? Même Nabisso d'un côté opposition. Est-ce que les gens sont capables de relever? Non. Tant que vous famille politique dans l'objet oui. Non, c'était un modèle. C'était un vrai modèle, quoi. Donc, voilà, mesdames, messieurs, merci parce que mon père s'est mis en confiance en tout au long et à reportage Oyo. Nous sommes arrivés à la fin, vraiment, Bomoni Nerneneleki, il a été honoré, na ba officiel congolais et belé. Ah ouais, on a parlé du peuple, bah, Pessier, et, pardon, Jean-Pierre Bemba, Ayaki, Bomoni, Tomoni présent à l'Assemblée nationale, Christophe Mboso. Tomoni Batu est belé vraiment. Balaxi que Christophe Thomas Lokondo, c'était un frère, c'est vraiment un combattant de la bonne gouvernance. Donc c'était un combattant de la bonne gouvernance. Oyo Wapi, tout le monde va rendre hommage. Vous avez vu, même Adam Mbole, Ayaki, Jean-Pierre Bemba, Batu Belé. Et puis va décerner, va passer une médaille de mérite en or. Ce qui veut dire que le service Oye à rendre la nation, il était incorruptible, quelle que soit la position qui peut perdre le FCC, mais s'il refuse, il dit que ceci n'est pas bon. Donc, c'était vraiment un modèle parlementaire. Neboyoki a témoigné, il y a quelques députés, vraiment, Henri Thomas Lokondo est un modèle parlementaire. Pour le peuple congolais, merci. Merci à Cisco KMB. Merci à Koko Tamba. Entre lui et de là, il n'y a pas de trait d'union. Merci à Patricia Mujanayo, à Panama. Merci à Rocky D4, Moninga Yamfumu, Kuna à Paris. Merci beaucoup. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie tout au long. Il y a un reportage où on a parlé du peuple, où il y a des sièges. Il y a une institution, il y a la République démocratique du Congo, mesdames, messieurs. Je crois que vous avez compris, vous avez tout. Alors, deuxième étape, c'est le lobby, parce que quand on a exonéré la morgue, deuxième étape, c'est le lobby. Il y a eu une messe qui sera organisée dans Notre-Dame à Wana Kinshasa. Et après messe, wana, le corps sera acheminé vers l'aéroport international de Kinshasa. Pona Mbandaka, Eska, Pibako, inhumé avec toute sa famille biologique et politique. Merci. Sokizan Bazongite, Tokutani, prochainement pour un autre numéro. Rendez-vous demain. Ciao.